Ah mais en fait attends, non non, reviens. Non, je retiens ce que je viens de dire. Non, viens. Regarde. Viens là, regarde. Mais viens. Bah non, mais c'est beaucoup trop bas. Non, bah c'est pas ça. C'est pas ça. Ou alors c'est ça, mais pas comme ça. Un peu optimiste. J'ai été très très optimiste. Donc là, il y a... Ah, il y a des choses au sol qui viennent de clignoter, là. Là. Il y a quelqu'un ? Non, mais ça, d'accord. Il y a quelqu'un ? Par contre, attendez, si je l'amène ici... Eh oh ! Il traverse, ouais, bien. Ouais. Je me mets là. Ah non, viens. Ah non, il est tombé dans l'eau. Ah non, il est mort. C'est horrible. Ah, il est réapparu. Attends. Oh. Il me tue, hein. Ah putain. Oui, c'est bon. Vous êtes devenu Mario de glace. Pendant un temps limité, vous pouvez marcher sur l'eau et patiner en agitant ça ou... Mais non. Attends, ça veut dire que je peux monter ça? Ah bon? Non. Bon, je suis un peu le boss là, mais... Ok, bon, j'ai... C'est bien. C'est très bien ce qui vient de se passer. Je peux pas réagir avec les cascades. Ah, c'est comme des murs. Ah bah oui, du coup. Oh, stylé. Sauf que, ouais. Bon, sauf que, ok. Sauf que c'était pas là. Oh, stylé. À un moment, il va comprendre. Saute entre les cascades. Ah non, mais ne backsitez pas. Ne me dites pas ce qu'il faut faire. Ne me dites pas ce qu'il faut faire, s'il vous plaît. Laissez-moi découvrir, tranquille. De toute façon, c'est capté, hein. Dans l'idée, c'est capté, hein. En vrai, ouais, si. Ah oui, d'accord. Ça, j'arrive pas à capter, vite. Ah oui, d'accord, ok, faut le faire vite. Et arriver là-bas, ok, d'accord. Hop là. Allez, go. Boum. Oui. Nice. Ah oui, l'étoile est là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Il y a des ananas de glace. Quoi? Le truc est là. Bon. J'imagine qu'il faut essayer, hein. Si je les touche, si je fais ça, ça fait quoi? Ça fait mal, d'accord. Je vois rien, et donc l'étoile est là-dessus.
Bon, c'est impossible. Il doit y avoir des... il doit y avoir un système. Ah ! Aïe, bien joué. Ah ! Viens là. Viens là. Ok. Pas mal, pas mal. Tombe pas, tombe pas. Tombe pas, tombe pas, tombe pas. Ce serait trop simple sinon. Bah si, c'est ça, regardez. Terminé, bonsoir. Let's go. C'était pas comme ça? Il y avait peut-être un autre moyen, hein, mais c'est vrai que c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit là-dessus. 30? Si, c'est comme ça, oui, ok. Parce que je vois difficilement comment je pouvais faire autrement. Hein. Kiffant. Pas mal. Tu serais pas pro-gamer, toi? Non, moi non, honnêtement, non. Et je l'ai pas tué, d'ailleurs. Je ne l'ai même pas tué. Il n'y a pas eu de fail ou quoi. Alors donc, on va continuer la plage Saladier. Vraiment stylé le Mario de glace. Ouais, ouais, ouais. Bah, je le connaissais pas. Enfin, pas celui-là, quoi. Merci Jérémy Hadès pour le deuxième mois. Merci beaucoup. Les... Ah mais oui! Je viens de capter un truc. Je viens de capter qu'on n'a pas fait on n'a pas fait l'examen de natation, on a fait l'escalade de mur de glace parce qu'on a cassé le coffre. Ah bah oui. C'était une étoile secrète. Ah bah oui. Bien sûr. Eh, j'avais oublié. Mais d'ailleurs, on va peut-être même faire une autre étoile secrète parce que là, je vais tenter autre chose avec. Donc... Je vais juste tenter. Alors déjà, je vais récupérer cette carapace dorée. Je sais pas ce qu'ils font les enfants là, mais on va récupérer ça. Vous êtes où les enfants? Ah. Ils sont là, mais personne ne l'a. Attends, quoi? Est-ce que le maître de la natation est, a fait commencer l'épreuve ou pas du tout? Il a peut-être pas fait commencer l'épreuve. Ouais, voilà. Toi aussi tu veux passer l'examen de natation. Oui, voilà, c'est ça. Il faut trigger ça. La carapace dorée. Je comprends pas, j'appuie sur ZL pour plonger. Merde. Ça ne me fait pas plonger. J'appuie sur Y, ça ne me fait pas plonger. Voilà. Ah, et ça me fait remonter. Mais quoi? Voilà. Il y a des fois ça me fait descendre, des fois ça me fait monter. C'est trop bizarre. Merci Paul pour l'abonnement. Bienvenue chez les fleurs. Alors... Hey, toi! Peux-tu me prêter cette carapace dorée, s'il te plaît? Ah merde. Oui, oui. J'arrive. Oui. Oui. Voilà, donne-moi ça. J'arrive. Ok, on va tenter un truc, donc. On va reprendre un peu d'air. Un peu d'air, ouais, ouais. Ok, voilà. On a repris de l'air. Et maintenant... Oh, le jump là-dessus. Ok, maintenant je vais tenter d'envoyer la carapace ici, regardez. C'est très tricky de ma part. Il s'est rien passé. Il n'y a eu strictement aucun événement à la suite de cet envoi de carapace sur le mur. Donc, soit j'ai mal visé,
C'est possible, hein. Soit ça fait rien. Je peux pas le savoir. Très tricky de la part du joueur français. Très, t'as tiré dessus. Mais je sais pas. On va voir ça. C'est vrai qu'il y avait un autre mur tout à l'heure. Ils sont où les enfants qui jouent là? Ah là-bas. Ok, go. Ah, attention, je vais juste récupérer ça, mon pote. J'arrive. Ah oui, il y avait le deuxième mur juste là. Ah oui, il y avait ça. Mais je pense pas, oui, voilà. Ça m'aurait étonné, honnêtement. Ça m'aurait un petit peu étonné. Où sont les enfants? Ils sont là. Oui, bonjour. Merci. Donc je me mets ici. Eh mais attendez, peut-être qu'avec cette carapace, je peux tuer les grosses bêtes en plus. La maniabilité! Bon, on va faire le tour. On va récupérer un petit peu d'air. Pense qu'il s'éparpille. Bah pour changer, hein. Et encore là, on est dans un jeu qui est très guidé, hein, Super Mario Galaxy. Imaginez juste le let's play de Zelda Breath of the Wild. Énorme. Alors ? Attends, je peux pas aller de là-dedans quand même. T'imagines, je vais dedans ? Non, ok. Je peux pas. J'ai été bloqué. Go dans la grotte. Bah je peux pas, j'ai été bloqué. Un peu déçu du coup. Ok. Hop. Ah non, mais vous en faites pas, hein. On sait exactement ce qu'on doit faire. Hein. On doit prendre la carapace et aller parler au maître nageur. On sait. Hein. C'est juste que là on teste d'autres choses avec la carapace, tant qu'à faire, quitte à la voir. Comme le coffre tout à l'heure. Ah mais on sait très bien ce qu'il faut faire là. Hein. Récupérer la carapace, parler au maître nageur. C'est tout. Ça on est tout à fait informé. Hein. Mais juste on teste d'autres choses avec la carapace tant qu'à faire vu qu'on l'a. Ah oui d'accord, depuis tout à l'heure vous pensez que je suis en train de me demander qu'est-ce qu'on doit foutre de la carapace pour l'étoile. Ah oui d'accord, ok. Ah oui d'accord, ok. Ah oui d'accord. Ah oui donc Oui. Moi oui. Ah oui d'accord, ok, mais c'est pas moi qui suis perdu du coup. Ah oui d'accord. Super. Je vois que ça suit bien. Ok. Let's go. Let's go. Putain. Je me retourne, il y avait directement un obstacle. Hop là. Allez, on y va. Oh non, pas l'obstacle. Ok, let's go. Attendez, là c'est l'entrée. Attendez, on va... Venez, on l'a... Boum ! Mur invisible. Mais au moins, on l'a tué. Enfin du slow run. Hop. Ok, pas le bébé. Ouais, mais le bébé n'avait plus de maman, donc honnêtement, je pense qu'on a plutôt bien fait d'éliminer le bébé aussi. C'est triste à dire, mais je pense que le bébé sera plus heureux mort avec sa mère dans le paradis des monstres plutôt que seul dans le paradis des manchots. En tout cas, c'est super dur de lui voler la carapace, ça fait pas du tout 8 fois que je le fais d'affilée. C'est vraiment très complexe.
Merci Xeli pour ton 7e mois, merci beaucoup. Donc on disait... Ah ouais mais non mais je pense qu'on peut rien faire. Hein. Je pense qu'on peut rien faire hein, dessus. Ou alors je le fais mal mais là j'étais quand même bien dessus. Hein. Ou pas maintenant quoi, je sais pas. C'est rien. Reviens. Ta. Ok. Tu crois que je vais faire comme tous les autres et te suivre? Ok. Ok, bien joué. Putain, la maniabilité des fois, c'est... On va le prendre dans la sortie. Honnêtement, je sais pas si c'est parce que je vise mal ou quoi, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose à faire au niveau de cet impact. Putain. Je crois qu'il faut mettre 50 carapaces d'affilée pour que ça se bloque. Ah, peut-être. Peut-être qu'il faut la lancer, ouais, 7 ou 8 fois, peut-être que c'est un certain nombre. Deux fois, oui. Ah, je pensais pas que t'arriverais à me la ramener. Ah, tiens, je te donne cette grosse médaille d'or, c'est énorme. Il est stock, hein, le maître nageur. Ah, au fait, tout cela est très bien, mais es-tu un de mes élèves? Pas du tout, mais pourtant, c'est moi qui récupère ça, mais... Non, du coup, c'est marrant, ça, cet impact-là dans la roche, je ne sais pas si... Je sais pas du tout si on s'en servira un jour. Je sais pas du tout, en fait. On verra. MDR, les rumeurs du même niveau que Mew et le camion à Carmin-sur-Mer. Kappa. Arrêtez, c'était ouf, le camion à Carmin-sur-Mer. C'était incroyable. On retourne dans le saladier. Le mystère de la grotte au tourbillon. Attends. L'entrée de la grotte au tourbillon, c'est quand même pas... Ah non. J'ai eu peur. J'ai eu très très peur. Ok. Mais si, c'est ce truc-là. C'est le truc là, là? Attends, parce que j'ai mal regardé, du coup. C'est là, du coup? Ouais, voilà, on m'attend, c'est ça. Oh, il y a un coffre. Ah bah. Très agréable de tourner autour d'une carapace. Ah, il y a des carapaces partout. Ah! Oula, il y a des oursins. Mais c'est même pas des oursins, là. C'est des... Oui. Est-ce qu'on peut remonter? Ok, tout le monde a des carapaces, en fait. C'est un monde de carapaces. On va se mettre bien en face. Qu'est-ce qu'on a récup? Une vie. Bon. Écoutez. Pourquoi pas. Est-ce qu'on peut aller ici, monsieur? Il faut regarder, il y a des fissures. Ah, il y a des fissures. D'accord, je vais envoyer, bien sûr, les carapaces. Super. Ok. On y va. Là, il y avait une carapace. Est-ce qu'ils vont en envoyer plus... Oh, mais attends, il y a encore un coffre. Mais il n'y a que des coffres, en fait. QDC. Que des coffres. Ah, yes, un coffre avec de quoi respirer. Super. Wow, l'aime du joueur français là-dessus, il fait parler son expérience Call of Duty. On le rappelle, champion d'Europe, début des années 2010. Call of Duty, une de ses passions premières. Oula. Attendez, justement, parlons de Call of Duty, peut-être dessus on va pouvoir aller choper le kill.
sur la chauve-souris, boum. Et ça a été touché, messieurs dames. Et boum, le kill qui récupère. Merci beaucoup, Liska, pour le deuxième mois. Pas champion du monde. Non, j'ai pas été champion du monde de Call of. C'est vraiment d'Europe, quoi. L'envers du saladier. Merci Deltos pour le troisième mois. Je passe faire un petit coucou entre deux cours. Coucou. Welcome. Oh, encore une fois, le joueur français est confronté à ses vieux démons. Le premier kill. Le deuxième qui va être récupéré. Oh là là, le skill shot incroyable. Il a quand même perdu une vie. Est-ce qu'il va se faire attaquer? Il se fait attaquer. Il écarte. Boum. Il met dans la tête. Il saute. Oh, la deuxième vie. Attends, mais quoi? T'es pas au sol? Ah, mais il y a un grillage maintenant. Oh non. Il me fait... Il m'éclate? Non, mais... Je l'ai touché, là. Il est où? Je vois pas où il est. C'est bon. Merci beaucoup, Celestestio, pour le 8ème. Et ça, c'est champion d'Europe. Hein. Qu'est-ce que c'est que cet enfer, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Merci, Sylvanito. Non, mais vraiment, non, mais... Attendez, c'est la merde là. C'est bon. Oui. Ito Kyandi, merci pour ton 7ème mois d'abonnement. Merci beaucoup. Ah oui, ça c'est un truc qui disparaît, je crois. Hein. Si je peux y aller en sautant, c'est pas mal, ouais. Au moins. Ok, je vais mettre ici pour le moment. Ah. Ah, il avance là? Ok, et... Ok, d'accord. Merci Adrix pour le 2ème mois. Merci beaucoup. Ok, très bien. Écoutez, on va sauter de plateforme en plateforme, hein. Ah, mais attendez, mais il y a ça. Ah, mais on peut tourner, même. Qu'est-ce que... Ah bah attendez, on revient là, c'est énorme. Très intéressant cette histoire. On revient ici, on remonte là, boum. Ok. Voilà, très bien. Très très bon, je fais ça, ça. Je sais pas où je suis, hein. Merci Admei pour le prime, bienvenue. Merci beaucoup. Je n'ai aucune idée de l'endroit où je suis, hein. C'est énorme. Aucun repère. Oula. Et pourtant... Le raccourci. Qu'est-ce qu'il y a en bas ici? Ok. Ah oui, il y a une étoile là-bas. Ah oui, d'accord. Ah ok, il y a un tombe là. Ok, bah écoutez... Ça se fait, honnêtement ça se fait. J'ai failli tomber. Honnêtement ça se fait aussi de tomber. Hein. Ça, tu peux retomber. Hein. Et Ponce, once again. Gros level. Non mais ça me fait plaisir de faire un petit peu de platformer pur comme ça. Merci Watson. Élémentaire. From slow run into speedrun. Non mais n'abusez pas non plus. Juste une question, comment s'appelle le jeu avec les trois Mario dessus? Comme ça. Super Mario 3D All Stars. C'est le jeu sur lequel je suis actuellement. Comète. Comète rapide en chemin. Ah mais y a déjà une comète? Ah oui. Oh. Vas-y go.
Go go go. Étoile comète, mais comète rapide, ça veut dire que je vais avoir un timer. Oh là 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 là. Oh là là là. Oh là là. Les gardiens du couloir céleste à toute vitesse. Je sais plus ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Merci Dynamos pour le troisième mois. Merci beaucoup. Alors l'étoile... Ah oui, c'est ça. Ah, faut faire ça en speedrun. Venez, on teste. Merci Watson pour le subgift. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup Watson. Venez, on teste. On teste des trucs de ouf, genre... Et franchement, j'en ai vu de la merde à la télé quand j'étais plus jeune et tout. J'ai vu moi aussi, hein. J'ai regardé des trucs à chier, tu vois. Mais ça, quand même... Ah, c'était ouf. C'était ouf. C'était ouf. Vraiment incroyable. Allez, avance, 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 bouge là, ta caisse. Oh, je vais tenter un truc. Ok, non, je vais pas le tenter. Quoique si, je vais le tenter maintenant. Je voulais pas du tout faire ça. J'ai envie de tester, hein. C'est le but, hein, c'est le but. Merci Elliot pour le troisième mois. Merci Elliot. Ah, je voulais pas tout à fait faire ce jump, quoi. Et pourtant, j'ai regardé les anges de la télé-réalité, hein, mais ponce, c'est un autre level. Ah bah, c'est... Bon. Allez. Il m'a fumé, frère. Ah! Oh! Poil de cul un peu... Oh, alors là. Attendez, je vais tenter ce que je voulais faire. Bon, j'ai même pas eu besoin de vraiment tenter ce que je voulais faire, j'avoue. Tout le monde. Absolument, tout le monde est chaud. Ouais. Chaud. Tout le monde est chaud. Par contre, il est où le temps, en fait? Genre, je fais ça, mais il y a même pas écrit de temps, là. Ah! Ah! Non, ça va. Passer sous la map. Tout va plus vite et il n'y a pas de temps. Ah, d'accord. Je suis passé sous la map, mais parce qu'il m'a écrasé, quoi. Ah, mais c'est juste que tout va plus vite. Ah ouais, non, j'ai pas lu. Ah oui, d'accord. Je croyais vraiment qu'il fallait juste qu'on avait du temps, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Genre ça aussi ça va plus vite? Pas l'impression. Ah si. Ah si, ça me pousse et tout. Ah, ah. Si si, j'avoue. Bon. Ah merde, je regardais le chat, je m'étais arrêté, je savais pas qu'il y avait un truc qui passait là. Mais c'est énorme. Je savais pas qu'un truc passait là. Je vous jure. Bon. Allez. Bam bam. J'ai l'impression que ça sonne chez moi. Mais j'ai l'impression qu'en fait c'est des bruits du jeu. Trop bizarre cette sensation d'ailleurs. Juste il tourne lui? Ouais, je crois. Bah là là. Bah là là. Bah là là là. Là 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 là. Il est là son trou? Ouais, il est là. Merci Monster Rose, merci beaucoup. Oh, on s'amuse, hein. Oh, j'ai failli me rattraper, mais non. Alors venez, je prends pas cette vie au pire, non. Au pire, je prends pas cette vie, hein, c'est pas très grave, hein. C'est pas très très grave, je pense, si je... Oublie pas de tourner. Oui, c'est vrai que j'aurais pu tourner pour réussir, oui, j'avoue.
C'est vrai que c'est une mécanique que j'ai pas l'habitude de... Attendez, venez, je tente un truc là. Non, je tente pas. Ça craint. Si vous avez raison, il faut absolument que je pense au tourbilol. Faut prendre la vie, sinon la run n'est pas validée. Ça, c'est faux, par contre. Ça, c'est extrêmement faux. Est-ce que je la retente vite? Nice. Ah, ah, fallait aller vite, mais j'y suis allé vite. Oui! Oui! En fait, à la base de la base, je pensais vraiment qu'on avait du temps. Et je pensais qu'on avait du temps et je voulais juste le faire ultra vite, tenter des trucs, mais en fait, non. C'est juste que tout va plus vite. J'avais pas capté. Nickel. C'est la comète rouge avec le chrono. Non, mais c'est ça, exactement. Jaune, c'est juste que ça va plus vite, quoi. Ce qui est d'ailleurs assez, c'est assez chaud, hein, quand ça va beaucoup plus vite des plateformers comme ça, là. Je joue au Joy-Con, ouais. Je joue au Joy-Con, tout à fait. Eh bien, on a tout validé, messieurs, dames. Et là, c'est le moment un peu kiffant de la découverte. Venez, on fait ça, il n'y a qu'une étoile, là. Boum. C'est quoi? Une île flottante. Ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. J'étais crispé dans mon canapé alors que je joue même pas. Ah, je suis désolé. Surtout qu'au final, c'est pas que c'est spécialement dur à rentrer, mais c'est vrai que je tentais des trucs un peu complexes, peut-être, ouais. Île flottante de la forteresse flottante. Oh là. Nous nous trouvons dans l'ancienne forteresse marine, l'île flottante. Plus personne ne s'en sert, mais nous nous occupons de son entretien. Et tu sais quoi? Si tu casses le poids qui est sous l'eau, la tour au milieu se mettra à flotter. Si je casse le poids qui est... Ouais, ça flottera. Du coup, ça va monter en gros, si je comprends bien. Parce que là, du coup, c'est au fond. Qu'est-ce qu'il faut foutre ici? C'est énorme. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai littéralement rien pigé. En fait, je crois... Moi, ce que j'ai compris, c'est que... Là, c'est un peu retenu, mais ça peut flotter, ça peut monter. Une fois que ce sera monté, eh bien, je ne sais pas ce qui se passera. Voilà. Genre là, c'est des poids, ça. Ce sont des poids, ça. Et d'ailleurs, regardez, lui, il me suit. Et est-ce qu'il peut me suivre jusqu'au poids, peut-être? Pour casser le poids? Merde, je me déplace. Mal. Ici, je vois rien. Il a cassé le poids? C'est un génie. Premier poids cassé, ça monte. Voilà. Pour que le but, c'est qu'on puisse monter. On puisse monter. Du coup, là, pareil, il y en a un qui me suit. Suis-moi, suis-moi, suis-moi. Suivez-moi, suivez-moi. Merci Billy pour le 11e mois. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il veut? Attendez, je remonte, j'ai peur. Je vais mourir. Vite, vite, vite. Ok. Donc là... Qu'est-ce qu'il fout lui? Qu'est-ce qu'il fout là? C'est un adversaire. C'est un adversaire, tout à fait. C'est ici que je veux aller. Dans le tuyau. Qui a l'air d'aspirer. Moi, je veux bien être aspiré par le tuyau. Voilà. Super. Qu'est-ce que c'est? Il y a une étoile, là. Qu'est-ce que vous faites? Ils se sont explosés entre eux. Qu'est-ce que vous faites?
Ah bah attends, mais je suis protégé en fait s'ils arrivent en même temps. Bon, bon, c'est fini. Oh, explosé entre vous. Nice. Ok, d'accord. Je vais devoir faire appel à un ami. Merci, Hands Up. Merci beaucoup pour le Prime. Bienvenue. Ah, il m'a explosé. Ah, quoi? Attends, il a pas explosé. Quoi? Voilà. Voilà, tu me vois, tu me vois, tu me vois. Explose pas là! Explose là! Très très belle étoile verte. Mais c'était pas ça l'étoile que je devais récup à la base. Si? Non, non, je pense que ça n'a aucun rapport. À mon avis, c'est une autre étoile, ça. Vous avez trouvé une étoile cachée, île flottante, objet perdu dans la forteresse flottante. Nouveau record? C'est pas ouf, 9 pièces comme record. Pas ouf. Tu as ramené une super étoile verte. Des super étoiles vertes possèdent des pouvoirs particuliers. Pour en savoir plus sur les super étoiles vertes, demande des explications au Luma Vert. Ok, bah on va voir, du coup. Les étoiles vertes. On va aller voir instant, hein, tant qu'à faire. Merci de m'avoir sauvé! Je suis l'un des gardiens de la galaxie des épreuves. Pour ouvrir le portail permettant de s'y rendre, les pouvoirs des deux autres gardiens sont nécessaires. Ah d'accord, ok. Ok, donc ouais, on est sur du plus tard, quoi. Très bien. Est-ce que tu fais le 100%, Ponce? Je sais pas si je fais le 100%, mais en tout cas, on part pour et... J'apprécie quand même pas mal le jeu, je vais pas te mentir, donc peut-être. Merci Angel Owo pour le Prime, merci beaucoup. Ça sert à rien ce que je viens de faire, c'est énorme. C'est pas spécialement le jeu qui m'intéresse, mais tu animes tellement bien que je décroche pas. Bah c'est gentil Alaska, mais le jeu est vraiment bien aussi, il est prenant hein. Il est vraiment très prenant le jeu. Je suis trop content. Je suis encore plus content que ce que je pensais que j'allais être. C'est parti, je retourne sur l'île flottante. T'as fait le goinfre Luma de la cuisine, je sais même pas ce que c'est. Merci Pixel Runner. Merci beaucoup Pixel Runner pour l'abonnement. Bienvenue. Bon, on reprend là-dessus. T'as fait 0 goinfre Luma. Ah si, j'en ai fait 2 ou 3 des goinfre Luma. Si, j'en ai fait. Bon, on y retourne. Donc, ce qu'on faisait tout à l'heure, boum, tac, on plonge. Et donc, voilà, ça, on a déjà fait. On se reprend. Popo, merci pour l'abonnement avec 6 mois d'avance. Merci beaucoup. Merci à toi. Bienvenue, Popo. Donc, on va aller trigger ça. Oula. Oula, la perspective. Quoi? J'ai l'impression que des fois, la caméra, elle suit pas mon personnage. Elle est juste par rapport à un référentiel. C'est trop bizarre. Voilà, il me suit. Il va l'exploser, là. C'est bon, hein. Voilà. Merci Kazamalink pour le subgift à Malugo, merci beaucoup. Merci Evox pour le 3e mois, merci beaucoup. Et effectivement, j'ai dit référentiel, c'est très suspect. Le Air World, c'est très très suspect de ma part. Imposteur, c'est vrai. Ah, c'est bon. Je sais qu'il y a des... Je sais qu'il y a des bulles et qu'on peut récupérer les bulles aussi pour respirer, mais pas confiance sur les bulles. Bon, où est le deuxième poids?
Merci Mate Cam pour le deuxième mois. Merci beaucoup. Ah mais c'est bon en fait. Il y a qu'un point en fait. Mais ouais, il y en a qu'un. Merci Sneakyga pour le prime. Bienvenue à toi. Thank you very much. Peut-être c'est un stream aussi anglophone. Pas du tout. Bon bah go. Bah go. On va monter du coup. Est-ce que tu peux... Hop là. Allons-y messieurs dames. Non mais... Oh. Nickel. Ça c'est un trap non? Ah non. Je pensais que ça allait être un piège en mode ça sort, ça te fait tomber. Qu'est-ce que nous avons ici? Ah oui, des choses qui s'enfoncent quand on est... Ouais, très bien, je comprends. On monte ici, boum. On évite les bulles pour... Ah! Très bien. Continue. Ah mais non, c'est les accroches. Ah bah oui. Ultra bien fait d'ailleurs. On fait attention à la bulle qui fait penser à Jet d'ailleurs. Sur Sunshine bien sûr. Hop, on passe par là. Que veut-il? Les aquacanons sont détraqués. Tu ne veux pas les arrêter en tournant cette valve? Si vous voulez. Les... Pardon. J'ai juste appuyé sur A parce que je voulais sauter, mais malheureusement j'étais à côté de lui, du coup ça a parlé. Merci Snowblood pour l'abonnement offert, merci beaucoup. Attends. Non. Oh, tu me saoules. On a bien compris le message. Je me sers un petit peu de lui, effectivement. Bon, ça me saoule. Ah, mais attends. Mais non. Non, je pense pas. Ah, mais il y a ça, en fait. Oula. Quoi? Ça n'a aucun sens. Un Beyblade est apparu parce que j'ai tourné la manivelle. Et donc sur ce Beyblade peut-être... Boum. C'est un bordel sans nom. Mais me dites pas que ça c'est une étoile cachée encore. Parce que si c'est le cas, je vais aller toutes les chercher ces trucs. C'est sûr. Ah, ah. Il va plus vite que la plateforme. Ah. Ah. Oh. Oh, c'est chiant. Oh, c'est chiant. Oh, c'est ça qu'on aime. Ah. Vous pensez que les 5 sont là? On va checker ça. Checker, checker ça, yo. Checker ça, yo. Ah, putain, mais je viens d'en voir une. Ok, au-dessus du tombe. Fais-moi rebondir encore. Nice. Merde. On est là. On est là. Touti, 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 touti. Sneakyga aussi, merci pour le prime. Sneakyga. Cherchons ces petits fragments bleus. Ils sont quand même bien sympathiques. Aïe, je connais. Oh. Ah bah il y en a un là, très bien. Aïe, ouais. Ok. Il y a un boss là apparemment. On va remonter ici. Je sais pas où est le cinquième là.
Là, j'ai trop peur de la perspective et de tomber. Aïe, aïe. J'ai sauté beaucoup trop tôt. Ah non, mais la perspective, hein. Merde. Mais ouais, j'aurais dû Y en l'air et c'était ok, je pense. L'impatience du joueur français. Il a juste envie d'aller sur cette plateforme et il y va, il le tente. C'est exactement ce qui s'est passé en plus. Pure impatience. Quoi? Non mais... Ok. Aïe. Non. Arrêtez. Arrêtez. Il a failli me refaire tomber. Hein. Alors lui, par contre, il est... Ah mais attends, j'aurais pu faire ça? Non. Me dis pas que ça passait comme ça. C'est pas vrai. La petite soucoupe jaune a été écrasée par le tombe. Bon, en même temps, elle a été super agressive avec moi. Oh, mais attendez, il y a un passage, là. Ah mais non, c'est de la mécanique pure. Oui, mais là, même si on va chercher le quatrième fragment bleu, on n'aura pas le cinquième, c'est quand même très problématique, non? Bon, très problématique, je suis peut-être un petit peu dans l'abus. C'est pas non plus très problématique, mais... Merci au Nutrem pour le host, merci beaucoup. Merci au Nutrem. On verra. White Joe, merci pour le Prime. Bienvenue à toi, White Joe. Nice. Bon, alors... Ah, mais il est là, le truc bleu. Arrêtez. Ça peut... Arrêtez de voler. Ah, il m'embête. Pour le coup, il m'embête pas mal. Ouais, bon, vous savez quoi? Oh, apparition de cette étoile-là. Je m'y accroche. Je me lâche. J'appuie sur ça, ça fait des rayons. Il se passe rien quand je fais ça. Ok, je sors. En faisant attention au rayon. Ah, il ne lâche plus. Pa. Quelle musique. Aïe, attendez. Ça va vite, hein. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, alors, du coup? Nice. La vis d'or. Oh. Ah, mais c'est une poké... C'est une Pokéball, en fait. Je peux l'avoir de l'XT. Attends. Ah, mais c'est littéralement une Pokéball. Énorme. Mais ils avaient plus d'idées. Ils avaient plus d'idées pour le Mario. Ils se sont dit, hey, oh, c'est bon. On va mettre une petite rêve Pokémon. Et ça, c'est propre. Et donc, il y a de l'eau dans les Pokéballs. Bizarre, quand même. Quoi que tu me diras, pour les Pokémon aquatiques, ça peut être pratique, effectivement. Ouais, pour les types eau, c'est... Ça paraît assez logique, effectivement. Une Aquaball. Ah, c'est peut-être une Aquaball. C'est peut-être une Aquaball, effectivement. Yeah. Nouveau record, 12 pièces, ça me fait à chaque fois de la peine, mais... Alors, donc du coup, on a fait celle-là où on a découvert une étoile cachée, donc qui doit être l'étoile verte. Et là, ce que je suis en train de me dire, c'est que il y a probablement des étoiles cachées un petit peu partout, mais je ne l'ai pas captée parce qu'elles sont cachées par définition, et donc j'irai les faire probablement un jour
En attendant, nouvelle galaxie. Galaxie fantôme. Oh, le manoir. T'es à combien de pourcents du jeu? Bah, je peux pas trop savoir. Je peux pas trop savoir. Je sais pas, je dois être à un quart. Je sais pas. Merci Philippe pour le troisième mois, merci beaucoup. À la rescousse de Luigi dans le manoir hanté. Oh! On va aider le frère? Ça, ça fait plaisir. Ça, c'est des choses qui me font plaisir. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ils ont juste l'air de chill hein, sur cette planète. Ok, on a donc affaire à des Jacko. Aïe. Ah mais d'accord, ok. Pas mal le déguisement. Pas mal. Très très clean. Ils sont mimes. Bah ils sont assez mignons, malheureusement ils me foncent dessus donc je suis obligé de les tuer. C'est un peu triste mais bon. Aïe, elle va me tomber dessus? Non, qu'est-ce que... Pourquoi il y a eu cette animation? Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup Golden Okamiya pour ton abonnement avec 6 mois d'avance. Merci beaucoup. Oui. J'aurais peut-être pas dû faire ça, moi j'en sais rien. Ah voilà, t'aimes pas quand je... Bon ça évidemment comme d'hab, t'aimes pas quand je te regarde. Aïe, ah non. Attends, viens. Sous la lumière, je vois rien. Voilà, la lumière le tue. Ok, très bien. Hop. Ok, bon, la lumière le tue. Et comme n'importe quel bout, il n'avance pas si je le regarde. Et dès que je me retourne, boum! En scred. Les fantômes ont horreur de la lumière. Got it. Bien joué à lui. Je vois rien du coup, mais là. Non? Vas-y, viens. Boum. Ah, une clé. Boum. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Qu'est-ce qu'il y avait ici? Je sais pas. Bon, pour le moment, le manoir fait quand même beaucoup moins peur que sur 64. Hein. Sur 64, il fait bader. Le 64, c'est un jeu d'horreur aussi, c'est vrai. C'était pas voulu, mais c'est vrai que c'est un jeu d'horreur au final. Oh, hein. Mais je crois qu'ils vont, ils vont réapparaître à l'infini. Il est tombé là-dedans. Mais non. Oh, la perspective est si particulière ici. Qu'est-ce qui se passe, ça? Boum. Mmh. Mmh. Merde. Attends, il fait quoi, lui? Oh, ce brain. Oh, nice. Attends, mais du coup, si je fais ça... Aïe. Ah non, ça considère comme un mur tant que je suis pas passé là. Mais là, il y a une flamme. Faut que je fasse attention à la flamme. Ah bah, il n'y a plus la flamme. Et boum.
Ok, donc là ça me fait avancer. Mais j'ai pas envie d'y aller maintenant, j'ai envie de checker juste dans l'entrée. J'ai envie de checker une chose. Où est-ce qu'elle était l'entrée? Si je peux aller dans l'entrée en fait, j'en sais rien. Oui, elle est là. Ok. Vu que maintenant je sais qu'il y a des trucs cachés, machin. Ok. Ouais, je sais pas du tout. Écoutez, si jamais il y a un truc, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais je sais pas, si jamais il y a un truc, je sais pas où c'est en tout cas. Et je sais pas comment et je sais pas quoi. C'est pas très grave. On y retournera plus tard de toute façon. Ouais, c'était bizarre, il y avait un endroit où il y avait des... Hop, il y avait un endroit où il y avait des bougies, d'autres non. Bon, pas trop ce que ça veut dire. Par contre, là, je sais plus ce que je fous. C'est là, moi? Non. Ici. Et là... Ah non, c'est pas là. Je le vois en plus. Boum. Ah là là. Vu. Ah, vous avez vu, vous? J'ai rien vu, moi. Aïe, aïe, aïe. De toute façon, on va y retourner dans le manoir. C'est... Y a rien de grave. Oh. Ah non. Ah, mon frère. Compte sur moi. Mon frère, compte sur moi, j'arrive. Boum, la clé qui est récupérée. Oula. Oui, bon. Vous n'allez pas m'embêter, Oui. Aïe. Oui. Alors peut-être un... Let's go! Petite vie. C'est écrit en langue fantôme. Ah merde. Vous êtes devenu Mario Fantôme. What? Agiter ou appuyer sur Y pour devenir transparent. Sérieux? Ah bah oui, la lumière tue les fantômes, exact. Coucou Ponce, un ami m'a demandé de te remercier pour la vidéo sur l'éjaculation précoce, elle a énormément aidé, d'après lui. Eh bah écoute, merci Camille pour ton troisième mois, et félicitations à ton ami, qui a apparemment retrouvé le bonheur sexuel à la suite de cette vidéo, ma foi, intéressante. Un ami... Oui, non, mais que ce soit toi ou un ami, bien sûr, c'est bien. Oh, attendez, je suis ultra flotti, hein. Par contre, en fantôme, j'ai vraiment... Bon, tu me diras, ouais, c'est normal, mais... Ah, je peux pas sauter? Ah, si. J'ai l'impression d'avoir 76 ans. Mario, 76 ans. Fantôme, c'est normal. Je suis une femme. Ok, Camille qui nous dit que c'est une femme, donc c'est pas elle. Donc en gros, je pense que Camille parle soit... Merde. Soit effectivement de son homme, hein, finalement. Soit simplement d'un ami, véritablement. Véritablement. Quand tu as un fantôme, appuie sur B plusieurs fois pour voler. Mais non. Sérieux? C'est énorme. C'est énorme, très bien. Bah écoute, mon frérot, Oh, un fantôme. Oh non, il m'aime! Oh, l'enfer! Ah oui, d'accord, donc tu... Vas-y, passe là, voilà. D'accord, donc je suis tellement le fantôme le plus sexy du monde
que quand je croise d'autres fantômes, ils m'aiment. D'accord, très bien. La logique est absolument implacable. Oh non, ils m'aiment. Un fantôme. Mais non, c'est moi. Alors maintenant, il faut... Oui, attends. Un fantôme. C'est moi. Tu vois pas... À la casquette. Il y a un petit indice sur ma tête quand même, Luigi. J'ai la moustache, j'ai la casquette. Enfin, il y a vraiment des indices, quoi. Qui me semble assez évident. Qu'est-ce qu'il fout? Non, mais arrête de t'accrocher. Non, arrête. Mais putain, il me saoule. Bah, c'est moi. Mario, te voilà enfin. J'ai été séparé des Toads. C'était terrible. Mais au moins, j'ai trouvé une super étoile. T'es un peu fier de moi, pas vrai? Ça va. Ça va. Je sais pas si c'est de la fierté ou joie. Rentrons à la maison. Ah, mais moi, je suis pas à la maison en ce moment. Ah, mais moi, Luigi, je ne suis pas du tout à la maison en ce moment. Je suis sur l'aéronef, là, actuellement. Ou aéronef, je sais même plus le nom. Mais je suis pas du tout à la maison. Astronef, c'est ça, astronef. Sur l'ISS, toujours plus. Oh, je suis très heureuse de te voir de retour. J'aperçois ton frère, le sang de la veine Luigi, là-bas. Si tu lui demandais, je suis sûr qu'il serait prêt à nous aider à trouver les super étoiles. Je suis certaine que vous avez beaucoup de choses à vous dire, va le voir. Il est près du garage. Super. Bon, je vais aller voir. Voulez-vous sauvegarder? Bon. Oh, c'est si gentiment demandé. Bah, on va sauvegarder. Je pense que c'est une bonne idée. Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi? Hey, salut grand frère! Tu cherches les super étoiles, pas vrai? Bah, tu peux compter sur mon aide. Je pense que certaines nous ont échappé dans la galaxie des planètes œufs, par exemple. Si j'en trouve une, je t'enverrai une lettre. Attends un peu, tu seras pas déçu. Attends, quoi, tu vas farmer pour moi? Ah non, moi je veux les chercher moi-même. Mais attends, c'est un jeu, Luigi, là, c'est pas... Ok. Bon. Il va aller nous chercher des trucs. Luigi qui backseat, bah là c'est même plus du backseat, c'est il prend la manette quoi. D'ailleurs, je suis jamais allé là. Si? Non, je crois pas. Je te dirai sûrement pas mon secret. Bon, ok, donc je sais que t'as un secret, tu vas finir par me le dire. Super. Ici c'est la chambre. Mais non, de Harmonie? Attends, quoi? De maman? Là? Ok. Apparemment, j'ai pas encore accès à la chambre de maman. On espère avoir accès plus tard à la chambre de maman. Si elle est d'accord, bien sûr. Ça dépend principalement d'elle. Hein. Enfin, même que d'elle, hein, dans l'idée. Ah, mais... Ah, cuisine into chambre. Oh, il a faim. Hey, toi, là! T'aurais pas des fragments? J'ai une furieuse envie de fragments! Je veux manger plein de fragments! Hey, je veux des fragments! Si tu me donnes des fragments, je me transformerai! Tiens. Ça y est, je suis repu, je suis en pleine montée, c'est une scène, c'est la meilleure soirée de ma vie! Imagine. Mec, c'est littéralement transformé quand même en galaxie, hein. C'est... Ce sont des faits très très rares. Le trip est monstrueux. Hein. Le trip est monstrueux. L'invasion des anguilles géantes. C'est ouf. Ah non. Oh là. Oh, ça a l'air compliqué, ça. Oh, il a pris de l'âge, celui-là. Bienvenue dans la galaxie. Ces derniers temps, d'énormes anguilles sèment la terreur en mer.
qu'est-ce qu'on peut faire, nous, petit manchot? Si on cherche la bagarre à ces anguilles, elles vont nous manger, petit manchot. Eh, papy a perdu ses dents, alors il a un peu de mal à parler, hein. On pourrait peut-être se débarrasser de ces anguilles en leur lançant des carapaces. On parlera au grand-père après. C'est dangereux ici, j'avoue. Pardon. Excusez-moi. Si tu manques d'air, respire une bulle. Tu peux aussi prendre des pièces. C'est super fun de nager avec une carapace. Lui, c'est celui qui a mué. C'est le seul qui a mué, d'ailleurs. Je crois, de la famille, il me semble. Si tu lances une carapace rouge, elle poursuit ton ennemi. Alors ça, pour le coup, j'ai déjà pas mal joué à MK, ça je sais. Merde. Là, la maniabilité est infâme. Petite envie de péter un plomb, là. Ok. Bonjour Ponce, je voudrais savoir s'il y a une fleur qui bosse à Brignoles dans le Var. C'est pour le taf. Voilà, le message est passé. Si jamais une fleur travaille, messieurs, dames, à Brignoles dans le Var, n'hésitez pas à faire signe. Bon. Oui, et puis, ces naranguilles qui sont arrivés, ils n'arrivent même plus à prendre les poissons. Et il est bien vous débarrasser de ces merdes, mais... Ok. Hop. On va le faire, on va le faire. Directement. Lame. Ok, on se casse, on se casse, on se casse. Back, 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 back. Oh, mais attendez, on peut les exploser avec ça. On back, on back, on back, on back. Mais on peut les exploser avec ça, en fait, non? Oh là! Oh, trop chiant. Il est où? Il est là? Est-ce que on peut exploser les anguilles avec? Ah, mais je le vois pas. Ah! Oh, c'est chaud. C'est chaud. Petite bulle? Ok. Oh, mais il y en a là. Il était où le coffre? Je crois qu'il y a deux coffres. Nice. Et il y a un autre coffre, je crois. Merci Josh Johan aussi pour le prime, bienvenue. Merci beaucoup. Ah, il y a une rouge, voilà. Je crois, j'ai vu un deuxième coffre, il me semble. Oui, très bien, c'est très bien vu. Ah! Putain, mais j'arrive pas à le prendre. Parce qu'il y a lui qui me... Tu me saoules. Voilà, juste fais ça. Ça me... Limite, ça me va, en fait. Le deal est bon. Le deal est bon, no joke, hein. Ok. Là, regarde, boum, ça touche. Regardez bien. Bah, elle est où? Ah non, elle est là. Ah bah, elle a rien touché. Je suis meilleur sur MK au niveau carapace, hein, quand même. Ah, ça, par contre, ça peut être intéressant si ça lock une bonne cible, là. Ouais, par exemple, ça. Attendez. Oh, ça va vite. Pourquoi je vais si vite? Ok, moins une, moins une, moins une, moins une. Ok, on peut push, on peut push, on peut push. Peut-être que je peux en faire une avec la verte. Non, on va reprendre les rouges. Hein. On va s'occuper que des rouges, hein, je pense. Parce que ça va être bien. Ouais, ouais, c'est bien les rouges. Hein. Quoique. Ouais, non, on va reprendre les rouges, on va reprendre les rouges. Bon, honnêtement, la maniabilité des niveaux dans l'eau est quand même plus agréable que sur 64. Honnêtement, c'est pas dingue, hein, mais...
Oh, le prank de Nintendo là-dessus, qui encore une fois réalise la bonne opération au niveau de la vanne, au niveau de l'humour, au niveau de l'inattendu. C'est très bien joué de la part de l'entreprise Nippon ici, qui vient marquer un point monstrueux sur l'échelle de la rigolade. Nintendo, très solide en termes d'humour, ça touche. Ok, on peut push, y'en a plus qu'un. Dans le bac. Je turn. Je vois, je l'ai, il est devant moi. Ok, qui l'attaque? Aïe. Ok, j'ai pas. Attends, en attendant, il y a des bombes qui me suivent partout et tout, c'est un enfer. Ok, bien joué. Peut-être. Elle est où? Oula, c'est quoi ça? Elle est où? Là? Attendez, venez, je lâche ça et je prends ça. Hop, et je me retourne. Où est l'anguille? Me dis pas qu'elle est sous roche. Elle est là. Non. Mais... Bon, écoutez. Écoutez, il va falloir faire un effort. Il va falloir aider ce jeune joueur. Oh oui. C'est la victoire! Bon, j'ai utilisé que des rouges. Ah non, j'ai utilisé une verte, c'est pas vrai. Bon, je reste une merde. Il faut la trouver là. Elle est partie où déjà, l'étoile? T'as oublié un coffre? Ouais, non, mais le coffre. Je pense que. Super! Je pense que le coffre que j'ai oublié, c'est un coffre troll. Je pense. Non? On va tester. Vous savez quoi? On m'avait chauffé à tester ça. Alors, il est là. Voilà. Ok, en plus il me suit ce truc. Ok, c'est good. Aïe. Ah! Laisse... Jusqu'au bout, on a mouillé le maillot. Hein. Merci Nif pour ton 5e mois et merci Korax pour le 7e mois. Merci beaucoup. Nouveau record, 8 pièces à chaque fois, ça me fait de la peine. Je suis désolé. Tu as reçu une lettre de Luigi. Hey, j'ai enfin trouvé une super étoile, mais je suis coincé. Putain, mais c'est le boulet. Regarde la photo et viens m'aider. Où se trouve cet endroit? Je me demande si je l'ai pas déjà vu. Je te donne cette photo pour que tu l'oublies pas. Je regarde pas le chat là parce que j'ai pas envie de me faire backseat, mais je pense savoir. Voulez-vous sauvegarder? Oui, ne me dites pas. S'il y a une personne qui dit dans le chat, cette personne mérite de se faire bannir. Très honnêtement, je suis sérieux. Il a parlé d'œuf tout à l'heure. Je suis quasiment sûr que c'est ça. Ah oui, non, mais par contre, attends. Ah bah, point d'interrogation, voilà. Voilà. C'est énorme. C'est trouvé, en fait. C'est juste trouvé. Ah bah, il est juste là. Il est juste là. C'est un petit peu de kawa, moi. Ah oui, mais non, il faut prendre ça. Ah oui, c'était derrière, je crois. C'est pas derrière le tuyau? Si, derrière là. Une connaissance et une maîtrise parfaite du jeu vidéo. Par contre, ouais, Luigi, je suis d'accord. Luigi fait vraiment aucun effort parce qu'il m'a quand même dit je suis resté coincé. Il est juste à l'entrée, quoi. Je crois que ça me sert à rien de faire ça, non?
Allez, rien à foutre. Mais non! T'es encore venu me sauver! Je peux toujours compter sur toi, grand frère. Ah oui, la super étoile, c'est vrai, je l'ai trouvée, tiens. Bon, là, quand même... Mais il a trouvé où son étoile? C'est une très bonne question, ça. Bon, la super étoile, mais c'est surtout... Où est-ce que t'as trouvé cette super étoile, en fait? Bon. Je suis assez rassuré parce que je me rends compte qu'on vient très probablement de... de récupérer l'étoile la plus dure du jeu. Et donc ça me rassure pas mal. De savoir que... on a fait le plus dur. Ça va. Ah non, mais pourquoi à chaque fois ils me font ça? J'essaie de me casser!